L'Angleterre médiévale. C'est le début du règne d'Édouard Ier. Le pays est en proie à des troubles profonds. Les énormes châteaux fortifiés, édifiés en ces temps incertains, démontrent l'importance des antagonismes qui précisément ont rendu nécessaire leur construction. Plus de deux siècles ont passé depuis les conquêtes normandes qui ont apporté un sang nouveau à ce qui sera un jour la nation britannique. Toutefois, l'animosité entre les conquérants normands et les Saxons vaincus est loin d'être terminée. Elle a divisé les seigneurs voisins des châteaux de Buller et de Gurney bien davantage que les quelques kilomètres qui les séparent. C'est alors que cette histoire commence, à la mort de Ralph, comte de Lesford. Halte là, que voulez-vous? Je souhaite voir le conseiller du comte. Et quel est votre nom, je vous prie? Je m'appelle Walter de Gurney. Oui, c'est vrai, vous lui ressemblez étonnamment. Moi qui ai connu votre père, je peux vous dire que c'était un brave. Mieux vaut ne pas rester ici. On n'est guère accueillant pour les Saxons depuis qu'il est mort. Voir Siméon Bautry, l'homme de loi du comte. Ah, c'est donc le jeune homme d'Oxford. Tenez, je vais vous conduire. Merci. Walter, mon garçon. Siméon, je suis heureux de vous revoir. Moi aussi. Oh, tu as grandi, dis-moi. Et ton grand-père, se porte-t-il bien? Ma foi, à dire vrai, je suis venu directement ici, car j'ai craint de ne pas avoir la permission de venir. Mon grand-père me considère comme un ennemi. Il est tard, il faut te nourrir. Allez, assieds-toi. Je vais te servir un encas. Tiens, voilà. Dis-moi, mon garçon, qu'as-tu appris à Oxford durant tes études? Mes maîtres m'ont enseigné bien des choses. Je sais lire aussi bien que vous, Siméon Bautry. Écrire aussi? Oui, j'ai appris également le latin et un peu de grec. Et le français, évidemment. Oui. Encore que ce serait plutôt à eux d'apprendre notre langue. Oui, deux siècles ont passé depuis qu'ils nous ont envahis et que leur course... Tout doux, Walter. Cette demeure est normande désormais. Tiens-tu à avoir la tête tranchée? Siméon... Dis-moi, pourquoi tenais-tu à me voir? La raison en est simple. Tu es sur le testament. Vraiment? Il m'a reconnu comme son fils? Oui, il dit que tu es son fils. J'en étais sûr. Pourtant, ne te fais pas trop d'illusions. Dis-moi, tu connaissais bien mon père. Il a aimé ma mère, c'est certain. Plus que la Normande qu'il a fini par épouser. Il m'a aimé aussi. J'en suis sûr. Je le revois très bien. J'étais petit et j'admirais une paire de bottes noires qu'il portait, avec des éperons représentant des léopards. Il disait, tu en auras une pareille puisque tu l'aimes. Je ne l'ai pas eue, non, mais c'est ce qu'il avait dit. On ne l'a pas laissé faire comme il voulait. Il avait des projets très différents, n'est-ce pas? Ton père, Walter, fut intrépide et il avait une âme d'une grande noblesse. Nul ne peut le nier. Oui. Je crois en son amour pour ta mère. Et tu es le fils qu'il a voulu. Mais je crains qu'il ne te fasse plus de mal que de bien avec ce testament. Ici, il n'y a plus que haine envers les Saxons depuis qu'ils ont fait serment d'allégeance envers ton père et que sa femme normande l'a su. Du reste, elle en a déjà fait arrêter plusieurs qu'elle garde en otage. Aussi dois-je veiller à modérer ton emportement juvénile. Ta présence est certes légitime pour la lecture du testament, mais tu resteras à l'écart. Évitons de susciter sa colère. Mmh.
commencer? Oui. Lisez. Nous allons procéder à présent à la lecture des volontés testamentaires de Ralph, comte de Lesford et lord de Buller, lequel confie son âme à l'indulgence de notre Seigneur Tout-Puissant et à tous les saints, et demande que sa dépouille repose dans la chapelle du château. En outre, il désire que tous ses biens, ses terres et ses revenus qui lui ont été transmis en héritage reviennent en totalité, sans exception, à Éléonore, son épouse, et à Edmond, son fils légitime. En outre, il demande que soit reconnue l'existence de son deuxième fils, simple enfant naturel du nom de Walter de Gurney, auquel il portait une grande affection. Et au dit Walter de Gurney devra revenir sa paire de bottes avec des éperons représentant des léopards. Ensuite, et c'est là un point capital, il veut que ce fils consacre sa vie au service de notre roi, espérant que le dit fils saura servir dignement sa majesté. En outre, il lègue à l'autel de la chapelle de Buller le calice... Nous en avons donc fini en ce qui concerne ce bâtard. Qu'on lui donne son dû et qu'il parte. Pas question. Est-il dit que je doive me traîner à genoux pour obéir à la domination normande? Modérez votre langue saxonne. Je refuse d'obéir au testament. Je suis né et demeure saxon. Je ne me mettrai pas au service du tyran normand Édouard. C'est une trahison. Puissiez-vous être pendu, Walter de Gurney. Pas si vite, noble dame de l'essor. Il se pourrait qu'il y ait encore un point précis qu'il m'importe d'élucider. Je désire interroger ce jeune homme. À vous seul d'en décider, Majesté. Je vois que la perspective de servir votre roi comme le voulait le comte de Lesford n'est pas de votre goût. Il conviendrait de m'expliquer pourquoi vous y êtes si opposé. N'ayez pas peur, parlez. Je suis ici à titre purement amical, sachez-le. J'y ai fait halte durant une partie de chasse. Donc parlons seulement entre hommes. N'ayez pas peur de dire la vérité. Vous êtes normand. Un point, c'est tout. Mon garçon, il y a plus de 2 siècles qu'eut lieu la conquête. Donc les Saxons et les Normands doivent être en mesure de coexister désormais. Votre père y était parvenu tout en étant un vrai Saxon. Il était conscient qu'une telle rancœur serait néfaste pour l'Angleterre. C'est un problème qu'il faut tout de même dépasser en 2 siècles. Dites-moi, vous refusez de me servir loyalement car je suis normand, mais avez-vous songé, somme toute, que je n'ai pas non plus le choix, et qu'il me faut être le roi des Normands et des Saxons, que j'y suis obligé? Est-ce que vous, les Saxons, ne devez pas autre chose au royaume que la haine? Que dois-je donc aux Normands? Notre vie jusqu'ici était paisible avant la venue de ces marins sanguinaires. Il a fallu pourtant qu'ils détruisent tout. Elle est normande, et elle m'a volé même mon nom, refusant à mon père jusqu'à la chance d'avoir un fils saxon. Par sa faute, je n'ai pas connu mon père. Je ne me mettrai jamais au service des Normands, et nul ne pourra m'y contraindre. À votre guise, ce n'est en rien mon problème. C'est une simple affaire familiale entre un fils et feu son père. Ce fils naturel n'a rien fait et il n'a pas mérité d'être pendu. Qu'on le libère immédiatement. Cette maison offrira-t-elle l'hospitalité à un voyageur qui est venu au monde ici? Oh, monsieur Walter. Je suis très content de te revoir. Que le Seigneur vous bénisse.
Entrez, entrez. Vous voilà de retour. J'avais espéré que vous viendriez, le souper est bien chaud. Et comment avais-tu deviné que je viendrais? Nous avons un visiteur qui avait prévu votre venue. De qui s'agit-il? Bacon, le frère Roger Bacon. Oh, frère Bacon, un professeur à moi, je serais heureux de le voir. Je vais le lui dire, messire Walter. Will. Qu'a-t-il dit en apprenant que j'avais quitté Oxford? Mon grand-père, naturellement. Vous le connaissez, messire Walter. Il n'a rien dit, non, rien du tout. Et sa santé? Vous avez vu le cuivre empilé dans le fossé, là-bas? Oui, je l'ai vu et ça m'a intrigué. Nous faisons du commerce, armure et cochons. Vous vous rendez compte, votre grand-père, vraiment, on aura tout vu. Et sans en rien dire, bien sûr, comme tout ce qu'il fait. Et un bon matin, adieu, plus de chevaux et des porcs à la place, après le cuivre. Et quand on a demandé où diable il fallait le mettre, il a dit « mettez-le empilé devant la porte d'entrée ». Bien sûr, personne n'a compris. Mais moi, oui, j'ai compris. S'il faut faire du commerce, le mieux est de le faire savoir à tout un chacun. Si c'est le prix à payer, payons-le. Seulement, quand il passe par là, il n'ose regarder ni à droite, ni à gauche. Je vais chercher frère Bacon, messire Walter. Je suppose que cette réception ne m'est pas destinée. Oh, frère Bacon, excusez-moi, je jouais. Quand j'étais enfant, j'utilisais cette épée pour voir si j'étais suffisamment fort pour pouvoir la porter. Ah, ça, tu étais moins empressé pour supporter le poids de tes livres, et tu les as délaissés assez rapidement. Et le testament qu'a laissé ton père? Es-tu satisfait, finalement? Non. Vas-tu revenir avec moi, alors? Je ne sais pas. Comme tu voudras. Nous pourrons en parler plus tard, demander l'avis de ton grand-père. Ah non, je m'en passerai. Pourquoi? Voyez-vous, mon grand-père et moi, nous parlons toujours par intermédiaire. Ça rend, j'avoue, les discussions difficiles. Sans parler directement? Généralement, c'est notre vieux Wilderkin. Mais étant donné qu'aujourd'hui vous vous trouvez là, vous serez peut-être l'intermédiaire. Ne croyez pas que ce soit de la méchanceté, mais il en a décidé ainsi à la suite d'une grave dispute avec mon père. Il vaudrait mieux que je sois un peu plus explicite, je crois. Mon père s'était fiancé à ma mère peu avant de partir en croisade. Mais il revint de croisade avec une grave blessure. Il faillit du reste en mourir. Il fut sauvé, mais par des Normands, hélas. Si bien qu'une fois remis, mon père épousa la jeune fille qu'il avait soignée et guérie. Un peu par gratitude, je suppose. Il ignorait alors ma naissance, comment l'aurait-il su? À peine l'apprit-il qu'il vint ici. Et la dispute eut lieu. Si violente qu'aujourd'hui je m'en souviens encore. Mon grand-père se jura de ne plus parler ni à mon père, ni à son petit-fils, bien sûr. Donc il ne me dit jamais rien. Comme il n'est pas dénué de bonté, je suis persuadé qu'au fond, il regrette son fameux serment. Mais mon grand-père n'acceptera jamais de revenir sur ce qu'il a décidé, fût-ce un serment de ce genre. Certes. Je crois que j'ai autre chose à vous dire. Wilderkin, le souper est-il prêt? Notre hôte est-il arrivé? Oui, Milord. Ah, Wilderkin,
Veuillez dire, s'il vous plaît, à mon petit-fils combien je suis heureux de constater qu'il est devenu un homme. Milord me demande de vous dire... Veuillez dire à mon grand-père que je suis ravi de le retrouver et que j'espère être désormais de taille à pouvoir lui être utile. Milord, messire Walter... Bien parlé, Will Dawkins, bien parlé. Et notre hôte, bienvenue à notre table, frère Bacon. Merci, Milord. Ah, du porc. Hein. Ben, il y a mieux, certes, lorsqu'on a un invité, mais c'est nourrissant et facile à faire. Ah, Will Dawkins, demandez à mon petit-fils ce que le commerce que j'ai instauré lui inspire, à lui qui en est averti. Milord désire... Dites à mon grand-père, Will Dawkins, que l'attitude qu'il a adoptée est aussi courageuse que judicieuse. Ah, fort bien dit encore, Will Dawkins. Bien, eh bien, mangeons, puisque ça facilite la conversation. Les Normands nous ont au moins laissé ça. Une paire de bottes. Et le privilège de passer au service d'un roi normand. Demandez-lui si ce sont là toutes ses espérances. Milord, dites à mon grand-père que j'attendais beaucoup mieux afin de pouvoir aider Gurney. Ben, veuillez lui dire qu'il avait bien tort d'y croire. Que le mieux qu'il puisse faire pour Gurney est d'étudier, afin d'être un homme plus valable que son père ne le fut. Dites aussi à mon grand-père que je n'ai pas l'intention de faire d'autres études. Que je pense que ma place est ici, pour le bien de Gurney, s'il veut le conserver. Demandez à mon petit-fils ce qu'il autorise à traiter de cette affaire et qui, d'après lui, est le meilleur juge afin de lutter dans nos terres contre l'arrogance des Normands. Dites demandez à également homme, à mon grand-père si... Demandez-lui aussi... Milord, permettez-moi un mot. Du côté de qui êtes-vous? Oh, ni l'un ni l'autre, Milord. À vous de juger, frère. Mais si vous hésitez à être à mes côtés, j'accorderai bien peu de crédit au fait que vous soyez mon hôte. Je suis venu ici, Milord, dans le souci, moi aussi, de discuter du retour de Walter Oxford. J'ai eu bien peu d'élèves qui aient autant de disposition que votre petit-fils. J'éprouverai, je vous l'assure, une immense peine s'il abandonne ses études. Mais est-ce bien utile? Peut-on combattre les Normands avec de simples diplômes? Walter, avoir 20 ans et être aussi brillant me paraît décisif. Il serait dommage de ne pas continuer vos études, c'est pourquoi j'insiste. La connaissance est une force qui donne plus de victoires que n'en donnent les guerres. Il y a tant à apprendre, et rares sont les hommes capables de s'y consacrer. Ce sont eux l'avenir de notre pays. L'Angleterre en a besoin. Les érudits sont trop peu nombreux. Bien peu savent écrire, bien peu savent penser, réfléchir. Chaque pays a des connaissances qu'il faudrait ajouter aux nôtres. Par exemple, Cathay. Lointaine contrée où jusqu'ici aucun Anglais n'a posé le pied. C'est un pays qui regorgerait de richesses, et pas seulement d'or, mais d'un savoir séculaire. Il paraît qu'ils ont trouvé une substance qui, au contact d'une flamme, disparaît en produisant un éclair éblouissant. Ils ont trouvé des instruments qui leur permettent de parcourir les océans sans jamais se perdre. Et vous croyez à ce genre de balivernes? Oui, oui, j'y crois. Walter, c'est exaltant lorsqu'on est jeune. Quoi de plus grand que de consacrer sa vie à connaître? Oui, sans doute, oui. Mais c'est... Ce serait sans panache. S'il me faut tout quitter, moi j'aimerais... J'aimerais une entreprise plus hardie. Ne dites rien. Je l'ai impressionné qu'il dorme. La nuit porte conseil. Et vous ? Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? C'est l'héritier du vieux lord. Et c'est un noble? C'est dangereux. Triss. Triss Griffin, tu n'es pas un voleur, qu'est-ce que tu fais ici? Laissez cet homme, c'est un Saxon. Triss, nous avons souvent joué ici, enfant. Je te connais. Et toi aussi, Dicken. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une méchante histoire. Pour nous, au château, ça allait bien quand ton père était en vie. Maintenant, la Normande a fait prisonnier 12 Saxons qu'elle retient en otage dans les donjons. Oui, je sais. Mais nous allons les délivrer. À Buller? Seul? Oui. Tu en doutes, car tu ne connais pas ceci. C'est la meilleure des armes. Non, 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 Triss, pas contre de tels murs. Bien sûr, il préfère être avec les autres.
Avec les Normands? Non, jamais, quoi qu'il arrive. Qui est votre chef? Ben, c'est moi, enfin, si on peut dire. Nous le sommes tous. Ma foi, il y a peut-être une chance si vous réussissez à y entrer. Quel est ton plan? Pour ce qui est du plan, je n'en ai aucun. Moi, je peux peut-être t'aider. Et pourquoi est-ce que tu le ferais, Walter? Laisse-moi faire. Avec quelques hommes, on va entrer par la petite grille. Je connais le signal. Il faut réussir à baisser le pont-levis de l'intérieur. On aura peut-être une chance, alors. Si on échoue, vous serez toujours à l'extérieur et vous pourrez me punir si je vous ai trahi. D'accord, viens avec nous. Dépêchons-nous, allons-y. Qui va là? Voilà. On a de la chance. Disons que toi, tu en as. Un geste. Tout homme qui passera la porte sera rappelé à l'ordre par une flèche. Comme ceci. Que tous les hommes à l'intérieur jettent leurs armes, tous, un par un. Écoutez-moi. Qui que vous soyez, veuillez vous disperser. Si vous avez une plainte, il convient de la formuler clairement. Nous allons le faire. Vous avez 5 minutes pour libérer les prisonniers. À chaque minute de plus, nous pendrons un des gardes que nous détenons. Restez là. Bien, voilà résolu ton problème. Ce Normand ne me semble pas d'un tempérament particulièrement belliqueux. Nous allons résoudre mon problème maintenant. Les prisonniers vont être libérés. J'ignore totalement qui vous êtes, mais je pense qu'il faut que tout se passe ancré dans le calme, afin que nous n'ayons pas de mort à déplorer. Il n'est pas question de partir sans Walter. Thank you.
Walter de Gurney. Et vous, Tris Griffon. Ma foi, nous ne pouvons pas rester ici. Ils vont nous traquer demain au lever du jour. Je connais la forêt mieux que tous leurs gens. Ah, ils vont s'emparer des tiens pour que tu cèdes. Je n'ai rien à moi que Sarah. Je t'envie. Moi, j'ai mon grand-père, il doit être inquiet. Mais pourquoi voulais-tu ces bottes à tout prix, Walter? Parce que c'est le seul héritage que m'ait laissé mon père. C'est peu, mais pour moi, c'est essentiel. Mais j'y pense. C'est peut-être ma taille, au moins j'aurai les pieds au chaud. Il y a une lettre de mon père à mon attention. Écoute. Dictée à Siméon Bautry pendant une nuit de veille à Buller. À mon fils Walter. J'ai fait remettre des écus d'or pour toi chez Jarris à l'enseigne de sa boutique de Londres. Je n'ai pu le faire ouvertement car cela t'aurait valu des ennuis. Quant à ma demande de t'enrôler au service de notre roi, je l'ai faite dans l'espoir qu'elle te permettrait, en servant notre Angleterre, ô combien déchirée, de te faire le nom et le titre nobiliaire que je n'ai su te donner. Que Dieu veille sur toi. Je regrette de tout mon cœur la peine que j'ai pu te causer. Ton père affectionné, Rolf de Buller. C'est bien que tu aies pu récupérer les bottes. Dites à mon grand-père que s'il me trouve ici, Gurney en souffrira. Demandez à mon petit-fils depuis quand les hommes de chez moi se sauvent devant les Normands. Dites à mon grand-père qu'en l'occurrence, nous n'avons pas le choix. Ils ont gagné, les Normands ont gagné. Buller est à eux, et Gurney le sera également. C'est leur Angleterre et non la nôtre. Aussi, dites à mon grand-père que je quitte cette Angleterre perdue pour moi. Mais Sir Walter dit que... Demandez donc à mon petit-fils où il espère être en accord avec lui-même alors qu'il ne fait que fuir ses obligations. Dites à mon grand-père que je trouverai. Et que plus ce sera loin, mieux cela vaudra. Au Cathay, peut-être. Dites-lui que si je réussis à réunir assez d'or pour acheter les terres nécessaires ici, je promets de revenir. Mais en attendant, je pars et leur laisse mon Angleterre. Je refuse de fouler un sol qu'ils m'ont sali. Nos hôtes, Wildorkin, partent pour un fort long voyage. Faites le maximum pour les y aider. Oui, Milord. Vite, le soleil ne va pas tarder à se lever. Oui, c'est vrai, les chiens vont bientôt être à notre trousse. Monsieur Walter, il a dit que je vous donne tout ce qui vous est nécessaire. Et il a dit que je vous remette cette coupe de grande valeur. C'est la dernière. Ah, dis-lui combien je le remercie. Remets-la en place, j'espère la remplir d'or un jour. Merci, Wilderkin, veille sur lui. Bonne chance, Monsieur Walter. Voilà. Est-ce la fin ou bien le début d'autre chose? Je l'ignore. J'espère qu'on dort bien dans ta forêt. Walter, j'ai réfléchi, tu sais. Oui? Je voudrais partir avec toi. Au Cathay? Oui. Mais où est-ce? C'est très loin de ta forêt. C'est possible, mais mon arc est d'accord. Mais tu dois encore réfléchir. En fait, si nous allons là-bas, nous avons surtout des chances d'être pendus à un gibet. Un gibet mongol au lieu d'être normand. Au pire, j'aime autant laisser ce plaisir à de parfaits inconnus plutôt qu'aux autres, aux Normands que je hais. Eh bien alors, allons-y, et que l'aventure commence. Thank you.
C'est ce qu'on a vu de mieux. Oui, pour l'instant. Mais qu'est-ce que c'est que... Les croisades sont responsables si ces gens n'aiment guère les chrétiens. Nous ne leur voulons aucun mal, nous cherchons simplement la plus grosse caravane pour aller le plus loin possible. Ils ont plutôt l'air mal disposés. Bonjour à vous. Est-ce bien vous le maître des lieux ? Non, le propriétaire de la maison, c'est l'aimable, gracieux et généreux Anthénius d'Antioque, mon cher maître vénéré. Voudriez-vous lui dire que deux voyageurs demandent à le voir ? Mon très cher maître ne s'occupe en personne que des affaires importantes. Puis-je, moi, qui le sers avec tout mon... Non, après un fort long voyage, nous le verrons en personne. Ah, c'est vraiment difficile. On ne peut déranger mon maître sans raison. Le risque est trop grand. Je suppose que le risque paraît moins grand. Je vais prévenir mon très cher maître. Bonjour. Vous n'êtes guère important, selon moi. Apprenez que la moindre minute de ma longue vie doit apporter un profit. Non, je serai bref, il s'agirait seulement de trouver une caravane allant vers l'est. Quel pays ? Oh, c'est sans importance. Le Cathay, peut-être ? Oui, j'ai bien une caravane qui partira en direction du Cathay. Une caravane pleine de présents que j'expédie au Kublai Khan. Mais j'ai entendu dire que les petites caravanes souvent disparaissaient pendant les voyages. Petites ? Moi, ça ne risque pas. Quand on envoie des présents au Kublai Khan, il exige toujours 9 fois 9 de chaque chose. Soieries, bijoux, femmes. J'ai trouvé 80 des femmes les plus belles de cette île. Et puisque tout est pour le camp, tout voyagera avec la protection de notre armée. Il y aura le général Bayan lui-même. Bayan, celui qui voit tout. Cela vous suffit-il, étranger ? Une caravane pleine de présents, c'est étrange. Ça n'a rien d'étrange. Sachez que le camp vient de déclarer la guerre à la Chine. Le Cathay, comme vous l'appelez. Il va confisquer tous les biens du plus vieux et plus riche pays, avec mon aide, bien sûr. Je vais lui permettre d'être le souverain le plus riche du monde, et moi, je serai le plus riche marchand du monde. Eh bien, jeune voyageur, êtes-vous prêt à payer pour être admis en telle compagnie ? En fait, nous pensions offrir nos services en tant que gardes pour cette caravane. Des gardes chrétiens ? Non, merci, on serait attaqués. N'avez-vous rien d'autre à offrir ? Vous me paraissez bien misérable. Tu vas les fouiller. S'ils n'ont rien de valeur, tranche-leur la tête. On en fera des coussins pour nous dédommager. Mes chers maîtres, c'est fait, je les ai fouillés. C'est la seule chose de valeur. C'est pour toi, évidemment. C'est un bien maigre profit. Mais cela suffira à mon honneur. Mets-les à la porte. Tout de suite, maître. Suivez-moi. Mais quel est votre but ? Pourquoi ce stratagème ? On m'a surnommé la pie qui prend dans chaque nid. Parce qu'on dit que je suis le roi des voleurs. Très, très exagéré. Puisqu'il est certain que dans ma position, je dois me contenter de moins gros profits que mon très cher maître. Je pars avec sa caravane, c'est mon rôle. Peut-être que je consentirai à vous emmener et à vous fournir l'équipement nécessaire. Ça va dépendre. Combien d'or avez-vous sur vous ? Assez peu, hélas. Et tout ça ne nous incite pas à une confiance excessive, reconnaissez-le. Qui est ce Bayan, ce général ? Celui qui voit toujours tout. Oh, il est l'honneur des soldats du monde. Le grand Khan l'a du reste emprunté aux Perses pour se battre contre la Chine. Il est appelé à devenir le maître du monde. Très bien. Et où campe-t-il ? À 3 jours de marche. Il est avec son armée. Je vous déconseille d'offrir vos services à Bayan. Ces hommes sont entraînés à se battre et vous tuerez, habitués qu'ils sont à trancher les gorges chrétiennes. En fait, vous êtes obligé de faire un marché, de traiter avec moi. Combien d'or possédez-vous ? Belle mentalité. Un homme qui peut donner...
bien. Quand partons-nous alors? Dans 2 jours. Quelle chance vous avez de m'avoir. Quelle générosité, je vous prête. C'est pour vous, pour le voyage. Celui-là s'appelle Chanteur, parce qu'il pousse d'horribles cris, sans raison. L'autre préfère mordre et donne des ruades. Allez vous reposer, mais attention, votre tante prend l'eau par endroits. Mais pour des chrétiens, ça devrait suffire. Le serviteur est très bien, prêt à tout pour vous. Je suis Mahmoud. Voilà, adieu. Et bon voyage. Tirons au sort le chanteur ou le mordeur. Pile ou face? Face. Ah, c'est pile. Est-ce que c'est moi qui ne suis pas fait pour le chameau, ou bien est-ce lui qui n'est pas fait pour moi? Bon, j'ai des nouvelles. J'ai parlé à la pique, il sait tout. À présent, je sais où est le grand général avec son armée. On nous a séparés afin d'éviter que les soldats ne dérangent les femmes. Et nous restons là aujourd'hui parce que le général aime le jeu et fait une sorte de tournoi. J'ai appris aussi pourquoi on le nomme Bayan, celui qui voit tout. J'avais pensé qu'il avait 10 yeux. Non, il paraît qu'il voit tout. Demain, il connaîtra les performances de chaque homme, celui qui est le meilleur cavalier, le meilleur archer. Archer? Ah, ça t'intéresse, hein? Oui, j'ai les doigts un peu froids, mais le ciel est clair, on voit loin. J'aimerais bien connaître leurs arcs. Je crois que ce sont les meilleurs arcs du monde. Non, attends que je sorte Sarah. Non, surtout pas, ça ne serait pas très malin. Nous ne devons en aucun cas attirer leur attention. Laisse Sarah où elle est. Je peux la prendre avec moi, ça n'engage à rien. Crois-moi, ce serait très imprudent. Elle saura se tenir tranquille. Je te connais suffisamment pour être inquiet. Est-ce que tu as vu la bannière? Sûrement un croisé qui l'a tué. On dit un fidèle. Pourquoi est-il puni? C'est le chamelier. Il est venu trop près de la tente des femmes l'année dernière. Thank you.
C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. À une pareille distance, moi, j'aurais mis dans le mille. Il faut leur montrer ce que peut faire un archer anglais. Chris! Et demande ce qui se passe. Il dit qu'il peut essayer, bien sûr, mais que s'il perd, il faudra le payer, et fort cher. En fait, si jamais il perd, il lui ôtera la cervelle. Qui est-ce ? Lui, maître, c'est Bayan qui voit toujours tout. Et Triss n'a pas compris combien c'est risqué. Ça, non, t'en doutes ? Ah, tu as raison, Triss est incurable. Il n'a qu'une idée, tirer avec son arc. Dis-moi, de quoi parle-t-il ? Oh, de rien, rien du tout, du bel arc que tu as. Je vous en prie, après vous. Méfie-toi du vent, attention ! Walter, même si j'oubliais le vent, Sarah y penserait pour moi, fais-lui confiance. Joli coup. Dites, ça suffit, vos jeux d'enfants. On va passer aux choses sérieuses. Écartez-vous. Triss, il faut réussir à leur montrer que je suis imbattable, c'est tout. Triss ! Ah non, pas de folie, c'est assez loin comme ça. Non, encore plus loin. Il faut que cet homme refuse d'essayer. Alors, monsieur le Mongol, est-ce que cette distance vous convient ? Moi, je vais essayer. Triss, tu es fou, il faudrait un miracle. Si je perds, autant que je perde en beauté. Tu as réussi. Oui. Je ne voulais pas me mettre si loin, mais ce doit être Sarah qui m'a incité à le faire. Si tu avais perdu, sache que tu serais déjà mort. Pourquoi ? Oui, les ordres de Bayan en personne. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Au fond, tu as peut-être pas eu tort. Sarah ! Maître ! Le général Bayan vous attend. Tout de suite ? Oui. Soyez prudent durant l'entretien. Laisse-moi lui parler. C'est une occasion qu'il ne faut pas manquer. Ah, Miller. Allez, avouez, il y avait de la chance. Je veux savoir. Ah, vous avez raison, la chance a joué, Miller. Y est-il rare de faire un coup pareil ? 3 fois sur 5. On peut manier votre arc rapidement ? Il tire 3 flèches avant que la première ne touche le sol. J'interroge votre ami. Montrez ça. Je l'ai vu tirer 3 canards avec 4 flèches. C'est léger, oui, c'est très réussi. Est-ce à cause de la forme ou du bois ? Selon moi, Miller, il y a les deux. Il faut surtout bien profiter des avantages du vent. Quel est son nom ? C'est un arc long, Miller. Celui-ci, c'est Sarah. Sarah, un nom de femme troublant. Oui, Miller. Vous avez raison d'aimer Sarah, et vous pouvez lui dire merci. Sans elle, vous nous auriez quittés. C'est ce que je viens de lui dire, Miller. Une flèche perce une armure ? Oui. Vous avez essayé ? Vous ? C'est de l'acier trempé, ça perce tout, n'importe quoi. Je crois que c'est la plus belle arme du monde. Elle est mon assistante fidèle, me débarrassant des adversaires avant qu'ils puissent réagir. Moi, quand j'ai Sarah, je sais que l'Angleterre est invincible, prête à lutter contre le monde. Ah, j'en déduis que vous êtes anglais. Oui, Milord. Ah, j'ai vu les Anglais à l'œuvre quand ils combattaient les Sarrasins aux croisades. Ils avaient l'air de forteresses avec des armures tellement lourdes qu'ils ne pouvaient plus remuer. Ils étaient ridicules. Mais ça se discute. Nous en reparlerons. Jouez-vous aux échecs.
Non, je... Moi, oui, Miller. Bien. Disons, pas mal, oui. Mieux que mes hommes, ça ne fait aucun doute. Alors venez donc sous ma tente ce soir. Avec plaisir. Comment reconnaître votre tente ? Mon garçon, si vous trouvez un homme qui soit incapable de vous renseigner, alors que votre archer le prenne comme nouvelle cible sans regret. Ma foi, ta Sarah nous a été très précieuse. Il faut prendre du repos. Si tu composais un bossonnet en son honneur... Oh, c'est facile, l'ironie. Comment ? Entrez donc. Montrez-moi votre arc. La partie est installée. C'est toujours moi le premier à jouer. Pour ce qui est de l'arc, j'aimerais beaucoup avoir le même. Oui, si j'avais le bois. Là, je dois réfléchir un peu. Ah, voilà une partie intéressante. Enfin, un partenaire de classe qui sait jouer. C'est hélas très rare. J'apprécie, croyez-le. À vous. Attention, prenez votre temps. Enseigneriez-vous à tirer avec cet arc ? Oui, Miller. Je trouverai le bois qu'il vous faut. Oh, pour un jeune étudiant ? Il s'y entend en ce qui concerne l'attaque. Quelle stratégie ? Vous avez des connaissances militaires, théoriques et pratiques ? Un peu, oui. Disons que j'ai certaines notions, oui. Moi, j'aime la guerre. C'est mon métier. Et je sais que chaque guerre doit être livrée différemment. Pour être vainqueur, il faut faire vite. Il faut un équipement souple qui permette de se mouvoir pour poursuivre et tuer l'ennemi. Voilà ce qui me plaît dans cet arc. Il est léger. Il est idéal. L'ennemi est pris de court. C'est ce qu'il faut si on veut dormir tranquille, que l'ennemi dorme pour l'éternité. Pardonnez-moi de vous distraire pendant le jeu, mais ça m'intrigue. Pourquoi donc est-ce que vous voyagez dans un pays pareil ? Eh bien, nous étions en quête d'aventure originale. J'ai entendu parler des exploits du Grand Bayan et j'ai eu envie de le rencontrer. Oh, pas de flatterie, j'en ai horreur. On nous avait dit que le pays était agréable. Vous ne pensez pas rentrer en Angleterre ? Non, il n'en est pas question. Voilà qui est étrange pour un Anglais. Mais pourquoi ? Une femme ? Non, c'est plus grave. Peu importe. Vous voilà donc sans patrie tous les deux. J'ai dans l'idée que vous auriez intérêt à rester avec moi. Je vais y réfléchir. Ah, c'est à vous. Bonjour. Ah, c'est vous. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est mal ? Très mal. Quoi ? Cette installation ? Vous êtes mal installé. Et puis vous n'avez qu'un serviteur. Et la nourriture ? Il vous faut un autre boy. Et comment pouvoir l'obtenir tant que je n'ai pas d'argent ? Ma foi, j'en ai un pour vous. La populace est opposée aux chrétiens, mais pas moi. Allez-y, parlez. Quelle est votre ruse ? Les questions d'affaires importantes doivent se discuter en grand secret. J'ai un message pour vous de la part de la Rose Noire. Et qui est la Rose Noire ? C'est une sœur de mon très cher maître. Une grande nouvelle. Elle ne pense qu'à s'enfuir. Elle désire aller en Angleterre, où elle sait que les hommes y sont galants et que vous allez l'aider, puisque vous êtes compatriote. Ainsi, elle aurait du sang anglais. Oui, elle m'a expliqué qu'elle avait un père anglais. Il a été fait prisonnier au cours d'une croisade. Pourquoi est-elle appelée Rose Noire ? C'est le nom poétique du clou de girofle, la plus précieuse des épices. C'est très louche. Une jeune fille qui avait un père anglais chez ses hérétiques. Oui, on peut douter de l'histoire. Elle dit avoir des parents à Maraga. Aussi a-t-elle manifesté le désir de s'y rendre. Ah oui. Et pourquoi s'est-elle adressée à vous ? Ça m'attriste de voir une lady en détresse. Et elle possède un gros saphir. Mais qu'attend-elle de nous face à l'armée du général Bayan ? À la pie qui prend à chaque nid, jamais ne laisse rien au hasard. J'ai mis sur pied un plan astucieux. Je me charge de tout. N'ayez pas peur. Peur ? Tu sauras qu'un Anglais ne connaît pas la peur, amateur de saphir. Oh, entendu. Ainsi, la Rose Noire va être rassurée.
Maître, il y a là un curieux garçon. Voilà votre second serviteur. Son nom est Mohamed. Bon, très bien, laissez-le et allez-vous-en. C'est étrange, mais cette nuit, les chameaux sont entrés dans les tentes des femmes. Oui, oui, étrange. Les gardes procèdent à des recherches. La rose noire a disparu. Allez, sortez-la d'ici. S'il fouille notre tente et qu'il la découvre, ils nous traiteront comme le chamelier l'autre jour. Va, Mahmoud, retourne à ton travail. Oui, maître. Je ne suis pas fou, non ? Hier, j'ai prétendu acheter ce serviteur pour brouiller les pistes. Et ce garçon a disparu. Et tout le monde va penser que c'est lui. Et j'ai fait mieux, puisqu'un des chameaux qui se sont sauvés était scellé. Quand ils vont les retrouver, ces chameaux, ils vont penser que la dénommée Rose Noire a été blessée en essayant de s'enfuir. C'est extrêmement simple. Bon, ça suffit. Partez tout de suite. Voulez-vous que je fasse un scandale en disant que je l'ai trouvé ici, dans votre tente ? Personne ne vous croira. Avez-vous envie de finir dévoré par les vautours ? Ça y est, j'ai trouvé les chameaux. Triss, nous avons à présent un second boy. Pour toi, toi tout seul, il a de beaux yeux implorants. C'est très simple, messieurs. Ce serviteur fera ce que vous voudrez. Tu es d'accord, toi ? Tu sais ce qui nous arrivera à tous si jamais tu n'obéis pas. Oh, oui, votre seigneurie. C'est de la folie, ça. Bon, tant pis. Mahmoud ! Je tiens à vous dire toute ma gratitude. Oui, je sais, je suis au courant. Mahmoud, ce nouveau boy va te seconder, mais tu restes le numéro un. Tu as compris ? Maître, pourquoi un second serviteur ? Il ne vaut rien. Je n'en ai aucun besoin. Mais c'est à moi d'en décider. Ça suffit maintenant. Va le faire manger et mets-le au travail. Oui, maître. Le second serviteur pourra manger plus tard. Après moi, viens. Ah, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Puisque c'est comme ça, il n'y a qu'à attendre que le couperet nous tranche la gorge. Ils ont bien retrouvé le chameau. Allez, calme-toi. Fais-la entrer sous la tente. Sais-tu qui elle est ? Mahmoud a cogné sur une lady. Mahmoud a mérité le fouet. Non, n'en parlons plus. Tu te rends compte que nous serons tous tués si on la trouve ici ? Oh, mais je tiendrai ma langue. Mahmoud mourra plutôt que... Bon, ça va. Va sous cette tente et fais comme si de rien n'était. Tu te fies à cet esclave ? Il faut bien s'y fier ou lui trancher la gorge. Je suis heureuse qu'il sache. Pourquoi ? Parce que j'en ai assez de porter un turban. Ainsi, je pourrai rester avec vous et mon joli rêve deviendra vrai. Écoute, Mohamed. Choum vous a dit que je suis anglaise, moi aussi, et je désire me rendre en Angleterre. Il me l'a dit, oui. Il faudra me dire plein de choses que moi j'ignore et devrai apprendre de la vie anglaise. Vous croyez que j'aimerais ce pays et que j'y serai heureuse? Tous les hommes sont beaux là-bas. Sont-ils aussi beaux que vous? Interroge mon ami, il est beau garçon, lui. Oh non, c'est vous le plus beau, vous êtes magnifique. Vous êtes exactement celui que j'attendais. Écoute, Mohamed, il y a des problèmes très graves que nous allons devoir surmonter. Alors tu vas remettre le turban, boutonner ton uniforme et faire semblant d'être le boy des Anglais, c'est clair ? Oui, mais... Ça suffit, tu dois obéir aux ordres qu'on te donne, c'est tout. Oui, monseigneur, mais... Alors maintenant, tais-toi. Thank you.
Je ne m'explique toujours pas que d'aussi jeunes gaillards aient choisi pareille aventure. Pour cette jeune fille, peut-être. Qui donc, Miller? Celle qui s'appelle Sarah. Ah, il est certain que l'aventure l'enchante, oui. Je pense que la compagnie pour votre Sarah ne devrait pas tarder. J'ai fait faire des recherches afin d'avoir le bois pour mon arc, et je pense que ça vous intéressera. Regardez devant. Voyez le chariot spécial. Il a un dispositif qui permet d'affronter les intempéries sans se perdre. On peut sortir des pistes si on veut, sans danger. Et c'est fabriqué en Chine? Comment ça marche? À l'intérieur, il y a une boîte, et dedans se trouve une aiguille qui indique la direction. Mais pourquoi est-ce que l'aiguille bouge? Quel est le procédé? Ma foi, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Je fais la guerre, le reste m'importe peu. Ainsi, prenez les Indes. Moi, je compte en être le maître. Les Indes? Bon, après la Chine, j'ai prévu d'autres conquêtes. Certes, vous devez être passionné à l'idée de conquérir les Indes, mais la Chine d'abord. Ils semblent avoir cru à l'histoire du chameau. Les hommes qu'ils avaient chargés des recherches nous ont rejoints. Personne ne semble inspecter le campement. Mais où est-elle? À l'intérieur, à l'abri des regards. Mais qu'est-ce que tu fais là? Un masque qui ôte cette couleur de ma figure. Non, il n'en est pas question. Arrête! Non, c'est trop laid. Je dois être belle puisque je vais rester sous la tente avec vous. Mohamed. Myriam. Voilà. Qui t'a donné ça? C'est nécessaire. Et j'ai aussi des vêtements qui conviendront mieux au cadre. Mahmoud! Oui, maître? Est-ce que c'est toi qui as volé tout ça? Oui, c'est moi. Mahmoud se sert. Et s'il venait fouiller ici, hein? Pas de vol, compris? Mais enfin, toutes les femmes le font dans j'ai ce pays. J'ai dit pas de vol, c'est tout. Mais une femme dit apparaître... J'ai dit et tu dois m'obéir, tu n'as pas à discuter. Myriam, laisse ta peau comme elle était, retire cette crème. Non. Vas-tu obéir ou non? Oh, mais non. Je ne risque rien. S'il devait fouiller, il l'aurait déjà fait depuis bien longtemps, voyons. Et on n'a pas à venir inspecter notre tente puisque nous sommes chrétiens. Rassurez-vous, tout se passe comme il était dit dans le miracle. Et aussi dois-je prendre grand soin de mon visage afin que le miracle se produise. Le miracle? Mais quel miracle? J'avoue avoir eu des remords parce qu'un peu avant votre venue, j'avais presque admis d'être envoyée chez le camp. Mais quand je vous ai vue, j'ai su que je n'avais plus rien à craindre désormais. Myriam, je vous avoue pour ma part mon incompétence en ce qui concerne votre miracle. Mais dites-moi, en quoi votre miracle exige-t-il de changer la couleur de votre visage? Je rêve à ça depuis tellement d'années, ma nourrice le disait, et mon père également. Et moi, je ne pensais plus qu'à l'Angleterre, parce que tout doit y être merveilleux, vraiment, et qu'une jeune fille de bonne famille veut un mari aussi beau et aussi magnifique que son père. Il m'avait promis de m'y emmener, mais hélas, il n'a pas pu. Il me disait... Croisant ton étoile, Dieu saura te protéger, garde l'espoir. Et même s'il te faut passer par bien des tracas, pense à ma prédiction. Oh, quelle joie, enfin, le miracle est là. Oui, puisque vous êtes là. Mon père, avant de mourir, m'a donné ceci pour aider le miracle. C'est lui qui m'a dit, un homme très beau et très brun viendra pour t'emmener en Angleterre. Et vous êtes donc venu, mon beau prince charmant, aidez-moi. Dès que je vous ai vu, j'ai su que c'était le miracle. Alors comprenez-moi, je dois me faire belle, moi, et il me faut ôter cette couleur affreuse. Je suis très touchée, Myriam, et il faudrait un vrai miracle pour que tout finisse bien. Mais la vie m'a jusqu'ici appris à ne pas trop compter sur les miracles. Oh, mais là, il s'est produit. Tout s'arrangera bientôt, oui. Maintenant, je suis sauvée, puisque vous êtes là. Grâce à vous, le miracle a eu lieu. Tout le reste aussi, vous verrez, se produira comme prévu dans le miracle. Le miracle sera de ne pas être pendus tous les trois. Alors, ou vous êtes sage, ou vous allez avec les autres femmes, c'est tout. Non. Faisons ce que dit le miracle. Ou... Autrement, je révèle ma présence. Ils ne feront que m'envoyer avec les autres femmes. Mais seront moins modérés avec vous, c'est sûr. Alors, regardez bien et dites-moi si je suis belle ou pas. Bon, d'accord, oui, vous êtes belle, c'est vrai. Bon, à vous de m'aider parce que dans le dos, c'est difficile toute seule.
Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu de pendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez la passe là-bas? Nous pourrions la prendre pour continuer, mais nous n'avons pas le temps. L'ennemi le sait. Au moindre trouble, j'ai fait faire beaucoup de prisonniers qui seront exécutés au besoin. Oui, je vois. Cela vous choque sans doute? Il faut être courtois à la guerre, n'est-ce pas? Je suppose que les peuples peuvent avoir différentes habitudes. Pas sur une si grave question, jeune homme. Non, moi, je ne crois que ce que je touche. On conquiert ou bien on est vaincu. C'est l'un ou l'autre. Merci de me rappeler à mes devoirs. Vous êtes intelligent. Et j'aime votre façon de parler, ça mérite récompense. Voulez-vous que nous parlions, Walter ? Non. Oh, quel dommage. J'espérais tant apprendre de choses avec vous. Dites, c'est très joli, c'est le plus beau des pays. Je ne sais pas, j'en sais rien. Et vous, Triss, quel est votre avis? Oui, c'est un très beau pays. Plus beau que n'importe quoi au monde. La campagne ou les forêts et le ciel, la terre, la pluie, enfin oui, tout est beau. Et l'odeur, c'est prodigieux, oui. L'Angleterre est le plus beau pays du monde. Pourquoi dis-tu ça? Parce que j'aimerais bien y être, c'est tout. Bayan avait bien deviné ta poésie cachée. Je crois que tu as le mal du pays. Ça prouve tout simplement que c'est magnifique. Vraiment, quel bonheur. Et il n'y a pas que ça, malheureusement. Oh, Triss, merci pour cette joie. Walter, vous n'avez pas eu cette impression? Lorsque mon père parlait, c'était pareil. Oh, je sais que vous le pensez aussi. Tout en refusant de le dire. Triss, est-ce que tu aurais oublié les Normands? Pourquoi êtes-vous fâchée? Enfin, qu'y a-t-il, Walter? Je sens que vous l'avez aussi aimé à la folie, cette Angleterre, et que vous me cachez une blessure. Votre blessure. Oh, je la déteste. Qui? La femme qui est responsable de tout ça. Non, il n'y a pas de femme. Oh. Oh, quel bonheur. Alors vous serez d'accord pour que j'aille avec vous, Walter? Je suis navré de vous décevoir, mais je n'irai pas. Je n'aime pas les Normands. Mais Walter, où irez-vous? Demandez à Bayan, c'est lui qui commande. Je vais avec cet homme, avec le vainqueur. J'espère, en tout cas. Mais pourquoi pleures-tu, Mohamed? Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aurais trop de peine si vous ne veniez pas avec nous. Il faut suivre ce que le miracle disait. Ah. Oui, pardon, Myriam, j'avais oublié le miracle. Mais je suis persuadé qu'un autre, un jour, viendra et que vous irez en Angleterre. Il correspondra au personnage de votre rêve. Bien que normand, probablement, mais ça n'a pas d'importance. Je vous promets que votre miracle s'accomplira. Nous ferons tout pour ça. Mon Dieu, je suis perdue. Je redeviens le boy Mohamed. Si c'est ce que vous préférez, ça m'est égal. Ne soyez pas si triste. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? C'est pourtant toi qui as commencé avec ton lyrisme. Mais elle te voit dans son miracle. Et tu es d'une fabuleuse beauté, alors. Nous sommes arrivés cette fois. C'est la Cathay légendaire. Réfléchissez bien, mon ami, et priez de votre mieux. Mieux que jamais, oui. J'ai un nouveau plan. Voyez si vous y trouvez une faille. Pour conquérir la Chine, bien des hommes ont tenté de la conquérir, mais
en vain. On dirait qu'ils enfoncent une espèce de coussin, qu'ils s'y épuisent, car nul ne peut conquérir la géographie. Occuper une région, oui, mais qu'arrive-t-il? Vos soldats deviennent des geôliers et vous êtes affaiblis. Que faire? Réfléchissez. Ne pas occuper, mais détruire. Oui, il faut détruire. Mettre à feu et à sang pour tout détruire. Saper le gouvernement, saper les fondements. Oui, mais supposez qu'ils attaquent par derrière. En ce cas, c'est simple, il faut les prendre de vitesse. Mais vos lignes de ravitaillement... Nous n'en aurons pas besoin, puisque nous évacuerons. Réfléchissez. Chaque plan a un point faible, mais trouvez dans le mien. Réfléchissez bien. Mais enfin, Milord, vous avez souvent parlé de victoire et de défaite, mais même le vainqueur sera affaibli d'une bataille. Mais nous livrerons bataille lorsque l'armée du camp viendra et nous répandrons l'annonce de notre victoire. Si nous perdons, vous, enfin vous et moi ne resterons pas dans l'histoire, bien sûr, mais si la Chine est vaincue, alors, à nous sa force, son savoir. Ils ont inventé un tube qui crache du feu. Ce n'est encore qu'un jouet, mais je pense qu'on pourra bientôt s'en servir et faire tomber Rome. Rome? Oui. Mais c'est que c'est loin, Rome. L'Angleterre aussi. Que diriez-vous de revoir votre île, jeune étudiant? De la conquérir et de rendre la pareille à ceux qui l'ont conquise. Allons, réfléchissez. Nous pouvons devenir les maîtres du monde. Qu'est-ce qui se passe, Archer? Tu ne dors pas? Non, je réfléchis. Tu crois qu'il peut le faire? Je l'ignore. Mais ce n'est pas impossible. Je pensais à son point de vue. Franchement, Walter, est-ce que nous devons le suivre? Triss. Oui. Tu veux laisser tomber? Et toi, tu le veux ou non? Moi, à te dire la vérité, j'ai perdu la foi, je le crains. S'il conquiert le monde, je serai enfin du bon côté, ça me changera. J'ai bien envie de suivre cet homme. C'est la seule façon de revoir un jour l'Angleterre que tu as si bien évoquée. Oui, je sais. À présent, il faut dormir un peu. Bonne nuit, Walter. J'ai eu peur. Est-ce que tu es blessé, dis-moi? Non, ça va, je n'ai rien. Je suppose. J'ai tout vu depuis le début. Je crois que ça n'était pas prudent de toucher pareil tube de feu. On aurait cru à la colère divine. C'était peut-être ça. Ils sont en train de tuer hommes, femmes, enfants dans toute la région. Je les ai vus, on dirait qu'ils font la moisson. Coupant les têtes avec une immense faux. C'est vraiment horrible. Ils font ça comme s'ils moissonnaient le blé. Qu'y a-t-il, l'Anglais? Nous avons gagné. Vous n'avez rien de victorieux. Pourquoi? C'est ça, une bataille. C'est fort simple. Tuer l'ennemi. Un soldat ne pense qu'à tuer. Qui veut combattre à mes côtés doit d'abord aimer tuer. Retournez à votre tente et réfléchissez. C'est grave. C'est une décision à prendre. C'est vrai. Mieux vaut aller sous notre tente. Nous avons remporté une victoire. Les hommes ont bien tiré à l'arc. Bayan était content. Nous avons besoin de réfléchir. Allez, viens. Oh, oh mon Dieu, vous voilà. Quelle peur j'ai eue. J'ai vraiment tremblé pour vous deux. Mais il n'y a pas de quoi. Puisque tout finit bien dans le miracle, n'ayez pas peur. Je sais, mais je... J'ai bien de mon avis. Oui, c'est juste. Enfin, vous êtes là, Walter. C'est vrai, Myriam. N'oubliez pas votre miracle. Un beau jeune homme brun viendra et vous emmènera avec lui. Il sera vêtu d'une rutilante armure. Si vous l'aviez vu aujourd'hui, c'était tout à fait ça, votre héros. Votre héros anglais, victorieux, dans son armure. Vous auriez été fiers de lui. Il était plus beau que jamais.
Excepté que le héros avait fait un serment qu'il a oublié, n'est-ce pas, Walter? Mais qu'est-ce qui te prend, mon vieux? Ton père aurait été vraiment fier de toi et ton grand-père aussi. Tu les aurais comblés. Tu avais fière allure, c'est vrai. Mais au fait, pourquoi ne portes-tu pas les bottes de ton père? Elles te vont si bien. Mais où sont-elles? Tu ne sais plus? Moi, si, je vais te les chercher. Il y avait une lettre aussi, il faut la relire. Que disait-elle déjà? Ton père y parlait d'honneur. Triss, ça suffit! Triss! Walter, pardon, Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as? Tu es devenu querelleur ou quoi? Tu t'emportes, tu n'es plus l'homme que je connaissais autrefois. Ne restons pas, il faut partir, partir vite, Walter. Pourquoi? Je sais que je n'en peux plus, partons. Voyons, Triss, tu sais bien que tu peux t'en aller. Mais toi, tu viens aussi. Tu viens avec moi à l'Angleterre. Je t'ai dit que j'ai renoncé à l'Angleterre. À quoi bon vous déchirer? Ne parlez plus de ça. Tu n'as qu'à rentrer en Angleterre. Au fond, le général avait raison. Toi, tu n'aimes pas tuer. Toi, tu crois aimer ça, mais... Moi, je pourrais, oui. Oui, je vais rester. Mais toi, si tu préfères partir, alors d'accord, je peux t'aider à le faire. Tu devrais l'emmener aussi. Oui, ce serait beaucoup mieux que vous partiez ensemble. Non. Si vous choisissez de rester, je veux rester aussi. C'est bien gentil, Myriam, mais ça, c'est impossible. J'ai pu jusqu'ici vous garder, mais je ne vais plus pouvoir. Où vas-tu? Non, tout ça est trop compliqué. Il va falloir un plan. Il vous faut retourner en Chine. Qu'est-ce qui lui prend, à votre avis, Myriam? Comment le raisonner? Je n'en sais rien. Mais je sens qu'il ne pense pas tout à fait ce qu'il dit. Je crois qu'il ne sait pas au juste ce qu'il veut. Mais j'ignore également ce que nous devons faire. Bon, écoute, il faut agir cette fois. Demain, c'est le départ. Plus moyen de remettre. Bayan et l'armée vont au sud, en Chine, et la caravane va au nord, chez le camp. Donc maintenant, plus moyen de dissimuler Myriam. Il faut que vous partiez avant. Il faut agir cette nuit. Oui, je crois qu'il vaut mieux essayer. Alors allez vers le sud, puis traversez Kinsay. Ensuite, remontez le fleuve. Vous aurez peut-être une chance de partir par la mer. Oui, nous allons tenter cette chance. Où est Myriam? Elle est là. C'est donc cette nuit, Walter? Je sais, je vous ai entendu. Oui. Est-ce que vous penserez un peu à moi? Mais... oui. Je me rends compte qu'il vous en coûte. Triss prendra soin de vous, Myriam. Faites-lui confiance. Moi, j'espère que l'Angleterre vous plaira. Triss vous paraîtra plus gaie dans ce pays qu'il adore. Et... si jamais... Non, c'est absurde. Écoutez, Walter, j'irai ou bien je resterai, comme vous voulez. Non. Non, je suis sûr que l'Angleterre vous plaira. Bon, je vais parler aux hommes pour éviter leurs soupçons pendant votre départ. Vous pouvez vous préparer. Bien, ce temps est agréable pour notre promenade. Je vais voir les chevaux. Ainsi, c'était vous, l'Anglais. Mais dites-moi, était-ce par curiosité? Ou aviez-vous l'intention de nous faire dévier? C'était mon intention. Pourquoi? Vous savez le châtiment qui vous attend? Pourquoi une telle attitude à mon égard? Que vouliez-vous, au juste? Faites avancer vers le sud-est pour rattraper la piste. À l'étape de ce soir, vous me l'amènerez.
Qu'est-ce qui se passe? Vous faites la tête, mais ça va. Ils n'essaieront rien cette nuit. Votre miracle va se réaliser. On ira en Angleterre. Seulement, je ne tiens plus à y aller. Je sais, Myriam, je sais. Il y a une femme, c'est ça? Je l'avais soupçonné. Une femme et un homme qui aient la guerre. Vous avez couru pareil risque, mais vous devez être très amoureux. Non, Miller. Encore la galanterie. Ça n'était pas par galanterie. En fait, Miller, sans vous, je vous avoue que je serais parti aussi. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je voulais refaire, je ne suis pas à une femme près, mon garçon. Disons que je n'y ai pas pensé. Non, bien sûr, ça aurait été mauvais pour votre galanterie. Bon. On peut aimer, risquer sa vie, soit, je vous comprends. Vous avez encore une petite chance de sauver la vôtre, mais peu d'hommes ont réussi. Vous connaîtrez l'épreuve demain. Bonne nuit, étudiant. Bonne nuit, Miller. Voyez ce dont il s'agit. Tant que vos pieds sont sur la corde, vous ne risquez rien des piques. Mais les joueurs principaux ont le droit de frapper à leur guise. Bon, allez-y. C'est bon, laissez-le. Emmenez-le à sa tente. Bravo, jeune homme. Pour un Anglais, c'est bien. Entrez. Eh bien, Milord, dites-moi, suis-je prisonnier ou ne suis-je pas? Terminé, vous voilà quitte, au prix de quelques douleurs. Mais puis-je espérer vous servir, Milord? Votre ami Larcher vous manque déjà? Vous voulez une mission? J'accepte de vous en confier une. Mais récupérez d'abord. Tout de suite, Miller. Pas si vite, jeune homme. Vous avez vu nos visiteurs? Je pense qu'ils espèrent éviter la bataille. Il faut bien sûr gagner Kinsale, mais nous avons bien manœuvré. Pendant votre convalescence, en une bataille, nous avons pris 4 villes. Vous n'avez donc plus besoin de moi? Au contraire. Au gouvernement, certains sont pour la paix, mais n'ont que peu d'influence sur la vieille impératrice. Supposons que vous alliez à Kinsale. Vous pouvez jouer l'étudiant étranger et dire que vous avez été témoin de notre force. Ah oui, mais si l'impératrice ne m'écoute pas? Vous contacterez les pacifistes et gagnerez leur confiance. Vous êtes libre de refuser la mission, laquelle n'est pas sans risque. Non, j'irai, Miller. Entendu. Étudiant, ma foi, ça m'attriste, oui, vous lancer dans une telle aventure.
Mais si jamais il vous tue, j'en ferai tuer autant qu'il y a de cheveux sur votre tête. J'espère que je vous reverrai. Si vous échouez, je vous regretterai. Et ce n'est pas mon habitude. Mais puisqu'il en est ainsi, j'essaierai de réussir. Suivez-moi, je vous prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous vous attendions, monsieur. Puis-je savoir où je suis? C'est ici le palais de sa souveraine magnificence, de sa glorieuse splendeur, la bien-aimée impératrice de Chine. Mais pourquoi m'a-t-on conduit ici? Je l'ignore. Attendez un moment, je vous prie. Inclinez-vous. A-t-on vu, oui ou non, ces deux beaux oiseaux? Est-il vrai que leur peau est blanche et leur plume noire? Or donc, cette prophétie est-elle fondée ou ne l'est-elle pas? Êtes-vous bon à quelque chose? N'ajoutez plus un mot, vous êtes un abruti.